Alors, je suis prête à entendre un membre du deuxième groupe d'opposition, Madame la députée de Mercier. La parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Je demande le consentement de la Chambre pour débattre de la motion suivante, conjointement avec le député de Laval-des-Rapides et la députée de Marie-Victorin. Que l'Assemblée nationale prenne acte que Questar Énergie tente de faire invalider les règlements d'application de la loi sur les hydrocarbures du Québec par le biais des tribunaux. Le 18 mars 2019, les procureurs de Questar Énergie ont notifié à la procureure générale du Québec une demande de suspension des procédures, laquelle a été accordée jusqu'au 29 août 2019. Qu'elle reconnaisse que des mandats de lobbying de l'APGQ échus depuis le 31 décembre 2018 et d'Utica en vigueur depuis le 22 mars indiquent que des acteurs de l'industrie des hydrocarbures font des représentations pour modifier ces règlements. Qu'elle prenne acte des propos récents du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles qui a affirmé sans détour qu'il n'y aurait aucun assouplissement des règlements ou de la loi sur les hydrocarbures. Que l'Assemblée nationale réitère que l'interdiction de la fracturation hydraulique dans la vallée du Saint-Laurent est non négociable et qu'aucun projet pilote ne sera exempté de cette interdiction. Merci. Merci, Madame la députée. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion, Monsieur le leader? Consentement sans débat. Alors, cette motion est-elle adoptée? Monsieur le leader? Demandez de procéder à un vote par appel nominal, s'il vous plaît. Parfait. Alors, j'ai une demande pour un vote nominal sur la motion présentée par Madame la députée de Mercier. Alors que les députés qui sont en faveur de cette motion veuillent bien se lever. Madame Massé, Sainte-Marie-Saint-Jacques, Monsieur Nadeau-Dubois-Gouin, Madame Gazal-Mercier, Monsieur Marissal-Rosemont, Madame Labrie-Sherbrooke, Monsieur Fontessia, Laurier-Dorion, Madame Lessard-Terrien, Rouyn-Noranda, Témiscamingue, Monsieur Leduc, Hochelaga-Maisonneuve, Madame Dorion-Tachereau, Monsieur Zanetti, Jean Lesage, Monsieur Jolin Barrette, Bordua, Madame Guilbeault-Louis-Hébert, Monsieur Laframboise-Blainville, Madame Damour-Mirabel, Madame Chassé-Châteauguay, Monsieur Girard-Groux, Madame Mécane-Sanguinet, Monsieur Fitzgibbon-Terbonne, Madame Roy-Montarville, Monsieur Simard-Montmorency, Madame Lavallée-Repentigny, Madame Lebel-Champlain, Monsieur Bonnardel-Grambé, Monsieur Lévesque-Chauveau, Madame Lachance-Bellechasse, Monsieur Charette-Deux-Montagnes, Monsieur Lamontagne-Johnson, Monsieur Carman-Taillon, Madame Blais-Prévost, Monsieur Lefebvre-Arthabasca, Monsieur Dubé-Laprairie, Madame Laforêt-Chicoutimi, Madame Rouleau-Pointe-aux-Trembles, Monsieur Skid-Sainte-Rose, Madame Samson-Iberville, Madame Hébert-Saint-François, Monsieur Dufour-Abitibi-Est, Monsieur Lacombe-Papineau, Madame Proux-Bertier, Madame Charret-Brome-Missisquoi, Monsieur Schneeberger-Drummond-Boisfranc, Madame Giraud-Bertrand, Monsieur Julien-Charlebourg, Monsieur Boulay-Trois-Rivières, Madame Proux-Côte-du-Sud, Monsieur Lafrenière-Vachon, Monsieur Poulain-Beau-Sud, Monsieur Aymon-Richelieu, Monsieur Bachand-Richemont, Madame Isabelle Huntingdon, Monsieur Chassin-Saint-Jérôme, Madame Foster-Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Monsieur Bélanger-Orford, Madame Picard-Soulange, Madame Jeannotte-Labelle, Monsieur Tardy-Rivière-du-Loup-Témiscouata, Monsieur Asselin-Vanier-les-Rivières, Monsieur Reid-Beauharnois, Madame Dansereau-Verchères, Monsieur Touin-Rousseau, Monsieur Tremblay-Dubuc, Madame Blais-Abitibi-Ouest, Monsieur Campeau-Bourget, Madame Tardy-Laviolette-Saint-Maurice, Monsieur Caron-Portneuf, Madame Grondin-Argenteuil, Monsieur Girard-Lac-Saint-Jean, Madame Lecour-les-Plaines, Monsieur Lemieux-Saint-Jean, Madame Lecour-Lominière-Frontenac, Monsieur Lamotte-Ungava, Monsieur Allaire-Masquinonger, Madame Guillemette-Roberval, Monsieur Provençal-Beausnard, Monsieur Jacques Mégantic, Monsieur Proux-Jean-Talon, Monsieur Létard-Robert-Baldwin, Madame Thériault-Anjou-Luriel, Monsieur Burnbaum-Darcy-Mégui, Madame Saint-Pierre-Acadie, Madame Veil-Notre-Dame-de-Grâce, Monsieur Tanguay-Lafontaine, Madame David-Marguerite-Bourgeois, Monsieur Roussel-Vimont, Madame Montpetit-Maurice-Richard, Madame Melançon-Verdun, Madame Ménard-Laporte, Madame Anglade-Saint-Henri-Sainte-Anne, Monsieur Fortin-Pontiac, Madame Nichols-Vaudreuil, Madame Charbonneau-Mille, Madame Robitaille-Bourassa-Sauvé, Monsieur Kelly-Jacques-Cartier, Madame Macron-Westland-Saint-Louis, Monsieur Benjamin-Villot, Monsieur Deradji-Nelligan, Monsieur Polo-Laval-des-Rapides, Madame Retiré-Tigène-Mansvigé, Madame Sauvé-Fabre, Madame Risky-Saint-Laurent, Monsieur Chiconnet-Marquette, Monsieur Bérubé-Matane-Matapédia, Monsieur Ouellette-René-Lévesque, Monsieur Lebel-Rimouski, Madame Richard Duplessis, Monsieur Roy-Bonaventure, Madame Yvon-Joliette, Monsieur Gaudreau-Jonquière, Monsieur Arsenault-Île-de-la-Madeleine, Madame Péry-Mélançon-Gaspé, Monsieur Ouellette-Chemédé, Madame Fournier-Marie-Victorin. Que les députés contre cette motion veuillent bien se lever. Y a-t-il des abstentions? Monsieur le secrétaire général, pour le résultat du vote. Pour 112, contre aucune abstention. Alors, cette motion est adoptée.